Donc aujourd'hui, nous avons le modèle numéro 1 du devoir numéro 3 en français, l'étape 3 de la quatrième année primaire. Donc, bien sûr, ce devoir, il a une relation avec l'unité didactique numéro 4. Donc, on va commencer par la grammaire. Donc, petit grand A, grammaire, je transforme les phrases suivantes en phrases exclamatives. Donc, nous avons déjà vu les phrases exclamatives. Donc, ce sont des phrases qui commencent par que, comme, quel, etc. Ils se terminent par un point d'exclamation. Donc, la ferme est superbe. Donc, on a une phrase exclamative. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que cette ferme est superbe. Donc, et on va donc ici on va commencer par majuscule et on va terminer par un point d'exclamation. Les vaches sont gourmandes. Comme ces vaches sont gourmandes. Point d'exclamation. Cette tarte est sucrée. Que cette tarte est sucrée. Que cette tarte est sucrée. Point d'exclamation. Voilà le premier exercice. Le deuxième exercice, j'écris correctement les adjectifs entre parenthèses. J'achète des citrons. Ici, nous avons citron, c'est un nom qui est pluriel. Donc, on va écrire jaune. La bonne réponse, c'est jaune avec S. La classe, c'est un nom féminin. Donc, on va dire la classe est belle. On ne va pas dire la classe est beau. La classe est belle. Le melon est délicieux. Le melon, c'est un nom masculin, puisqu'il commence par le. On dit le melon est délicieux. Est délicieux. Voilà. Donc, la troisième question, je complète par les adjectifs qualificatifs suivants. Suivante. Les adjectifs qualificatifs suivants, mais suivante. Hein, suivant, un adjectif kangourou. Plein, grand, petit, verte. Donc on va lire, fais-moi les phrases. Maman lave bien les olives. Les olives, on dit les olives vertes. Donc on dit une olive. Donc, verte, mais c'est le nom le wahid les féminin. Elle les met dans un, donc dans un grand bocal, dans un grand bocal plein d'eau, plein d'eau. Il ajoute le sel dans des petits morceaux. Petit mhisséné morceau, c'est un nom masculin pluriel, donc un des petits morceaux. Voilà tout ce qui concerne la grammaire. On passe à la conjugaison. J'écris les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. Donc ici, nous avons le verbe attendre. Qu'est-ce qu'on va dire? J'attends. J'attends des S. L'arrivée du train. Ils vont. Ils vont. On va terminer avec D. Ils vont son lait à la coopérative. Nous, c'est un verbe pronominal. Donc, on dit nous nous coupons. ONS. Les cheveux. Les fermières, donc, c'est la même chose que elles. Donc, on dit veulent.
Les fermières veulent traire les vaches. Tu, elle a le verbe aller, donc on dit tu vas. Tu vas avec S, tu vas au marché. Mina et Soued, c'est la même chose que elle, se promène. Donc, nous avons un verbe pronominal, donc promène. Se promène, donc, dans tous les rayons. Exercice suivant, j'écris les terminaisons des verbes. Nous avons ici conjugué les verbes. D'abord, explorer les terminaisons. Donc ici, nous avons nous nous réunissons. Il y a un verbe pronominal. On va ajouter ons, c'est la terminaison dit le présent. Les enfants se permettent. Donc on va ajouter ent, c'est la terminaison dit le présent. Zineb se rend. Et d'un hénin, on dit le D. Avec sa maman au supermarché. Tu vas, on va ajouter S au souk. Voilà tout ce qui concerne la page. Donc, on passe à la page suivante, l'orthographe. Donc, l'orthographe. L'orthographe, nous avons vu dans les leçons, la lettre S entre deux voyelles. Et nous avons vu, les adjectifs, l'accord de l'adjectif qualificatif. Donc, premièrement, on va répondre à la première question. Donc, je choisis entre S et Z ou Z pour écrire les mots suivants. Rizlan. Donc, Rizlan. Donc, Rizlan, ça s'écrit avec Z. Et là, il a donné S, c'est deux voyelles. Mais tant que j'ai deux voyelles, forcément, je vais vous dire le son Z, c'est dire Z. S'amuse. Il y a deux voyelles, donc S. Avec sa cousine, S. Kenza. Kenza, Z. Et là, on va dire, il a donné S, on va dire Kenza. Zineb. Zineb, ça s'écrit avec Z. Izakia, Z. Veulent acheter des fraises, S. Et des cerises, S. Voilà maintenant le deuxième exercice. Je remplace les pointillés par le mot correct. Donc, on a des oranges juteuses. Kangolo, une orange. Une orange, donc juteuse. Donc, c'est un adjectif. On va accorder l'adjectif. Donc, des oranges juteuses. Le E de féminin avec S, dit le pluriel. Donc, la deuxième phrase. Le boulanger a une langue. Il a la barbe. Il y a langue. On a ajouté au G. U, elle est spécialement gauche. L'ange. Donc, on dit le E de féminin. Et des cheveux blancs. Des cheveux blancs. Donc, puisque c'est un nom, donc on va ajouter S. La journée est belle. Donc, ça reste comme il est. Ici, il y a slan féminin. La journée, c'est un nom singulier. Le troisième exercice, j'accorde l'adjectif qualificatif avec le nom. Un grand champ. Une grande ferme, une grande, des arbres verts, des olives vertes. On va ajouter E du féminin. Maintenant, on passe bien sûr à la production de l'écrit. Je mets les phrases en ordre pour avoir un texte. Donc, on va lire les phrases, puis on va les classer pour former ou bien produire un texte. Tout d'abord, il choisit la quantité d'ingrédients nécessaires. La journée d'un boulanger commence très tôt. Puis, il mélange de la farine, de l'eau, du sel et de la levure dans un pétrin. Enfin, il les met dans le four pour les faire cuire. Ensuite, quand la pâte est prête, il forme des galettes et des paquets. Donc, bien sûr, quand le boulanger, bien sûr, lorsqu'il prépare une tarte, des galettes, etc.
Donc la première phrase, bien sûr, la journée, donc c'est ça la première phrase. La journée d'un boulanger commence très tôt. Yani, le boulanger, le khabbaz, qui bda bkri. Donc on va écrire la journée d'un boulanger. Commence très tôt. Et n'allège très tôt, parce qu'il y a le khubz. Donc, tout d'abord, qu'est-ce qu'il fait? Il choisit la quantité d'ingrédients. La quantité d'ingrédients nécessaires. Puis, il mélange. Puis, il mélange. Puis il mélange de la farine de l'eau le ma du sel le milh et de la levure khmira de la levure dans un pétrin. Ensuite, quand la pâte est prête, il forme des galettes. Ou des baguettes. Des galettes ou bien des baguettes qui sont des baguettes. Enfin, il les met. Dans le four qui remet pour les faire cuire voilà, c'est la fin de ce devoir. C'est le devoir numéro 3 bien sûr de l'unité didactique numéro 4 de la deuxième semestre. Voilà. Jusqu'à un autre devoir.